Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas le produit Roc, Rocre, parce qu'il y a un R à la fin, bien sûr. Ce sera la marque Ugirs. Ugirs, je pense que je l'ai bien prononcé. Donc voilà, donc ça, c'est encore une horloge. Et comme je vous ai dit, j'aime bien les horloges. Je ne sais pas pourquoi, je suis attiré par ça. Donc le modèle, il est à 66 ou 67 euros, je crois que ma femme l'a pris. Et bah, il a l'air pas mal. Il est lourd, hein. Il est lourd. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? 70 étapes au total. Donc le monsieur qui l'a fait, il a mis 58 minutes, je crois. Dans le genre, mais bon, c'est des étapes rapides. Donc c'est ça qui est bien. Je l'ai regardé entièrement quand même, juste par curiosité, pour voir un peu les montages qu'ils ont à faire. Et c'est pas simple. Donc je le dis d'avance. 70 étapes, on va s'amuser. Donc vous l'avez en français, en ukrainien, en allemand aussi je crois, et en espagnol. Donc voilà, le produit final, ce que ça donne. Après c'est à vous d'agencer ce que vous voulez. Donc lui il a fait voir c'était une boule de pétanque. Donc vous pouvez mettre une bouteille à la place avec du sable à l'intérieur ou de l'eau comme vous voulez. Et tout va marcher en balancier. Donc voilà. Donc je fais un déballage, après j'arrête la vidéo. Et je reprendrai après. Mais ce sera étape comme j'ai fait sur l'ancien en fait. Je peux pas me permettre de mettre 60 minutes de vidéo, c'est trop long. Donc ce qu'il y a dedans, c'est combien de plaquettes au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, plus que 7, c'est pas possible. Faut que je l'ouvre. Donc tout ça c'est coupé au laser, je vous le redis, hein, pour ceux qui ne suivent pas, c'est la première fois qu'ils voient. Hop, c'est dans du film. Alors au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plaquettes. 9 plaquettes, avec la dernière version où il y a les heures. Ensuite, nous avons. Le livre, là c'est carrément un bouquin, hein. Là ça rigole pas. Donc le produit final, il est comme ça à la fin. Il est beau, hein? Très franchement, moi je sais pas pourquoi je suis tombé dessus. Par hasard, c'est sur TikTok. Par hasard. Hein. Que dire? Donc il y a toutes les étapes à l'intérieur. Hein. Là ils sont illustrés en images, c'est ça qui est pas mal. Hein. Donc, par contre, comme je vous ai dit sur le rocre, là c'est Ingers. Vous faites bien étape par étape, suivez-les bien à fond. Donc le livre, comme je vous ai dit, il est assez épais. Ensuite, vous avez un petit sac, donc certainement pour mettre la boule de pétanque ou une bouteille, c'est comme vous voulez, hein, c'est par rapport au poids. Donc je pense que ça doit être spécifié vers la fin. Ensuite, nous avons des cure-dents. Vous en avez pas mal. Hein. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous en avez 12. Vous avez des élastiques. Des élastiques. Donc ça, ce sera pour attacher, pour que le fil fasse bien son cercle et puis que ça ne glisse pas, quoi, en fait. Vous avez du fil de pêche, du fil de nylon. Vous avez la graisse pour les engrenages. Donc n'oubliez pas de ne pas l'acheter. Si vous avez gardé au préalable l'ancien, vous en remettez. C'est pour tous les engrenages. Du papier à poncer. La fameuse ficelle. Donc elle est assez costaud. Hein, parce que j'ai vu qu'ils avaient mis une boule de pétanque ou une bouteille. C'est assez costaud quand même. Du fil blanc, hein, du fil de nylon aussi. Mais par contre, pas de nylon. De la ficelle, pardon. La ficelle, ça, ce sera pour la montgolfière, parce qu'il y a une montgolfière en contrepoids, enfin, il fasse le modèle, quoi, en fait, pour remonter et descendre. Et ce sera tout. Donc voilà. Mais écoutez, on va commencer, on n'a pas le choix. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Par contre, je vais peut-être mettre un peu d'éclairage, parce que là, on ne voit plus rien. Hein. Alors, lumière, ouh, on va faire un peu moins fort, hein. Ah voilà, c'est un petit peu mieux. Donc voilà.
Donc tout est indiqué dedans. Par contre, je ne me rappelle plus si j'avais dit l'âge pour l'ancien. C'est mécanique, il n'y a pas de colle, c'est que de l'assemblage. Hein. Tout ça, c'est manuel. Vous avez un QR code qui est là. Donc j'espère que c'est pas trop flashy avec la lumière. Hein. Parce qu'ils peuvent vous aider au niveau des étapes par rapport au QR code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire aussi par rapport à l'âge? C'est ça que je cherche. Surtout ça. C'est une dame qui avait marqué sur l'ancien, là, sur le rocre. C'est pas marqué, je suis étonné. Je crois que c'est à partir de 14 ans, la femme l'a vu. Je ne veux pas vous indiquer des bêtises. C'est pas indiqué en fait. Là, celui-là, il n'est pas indiqué. Là. Non, c'est pas indiqué. Désolé. Mais je pense que c'est à partir de 14 ans. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit au démarrage, je ferai étape par étape et je vous ferai en accéléré entre autres sur les assemblages. Donc là, comme je vous ai dit, tout ça c'est coupé au laser. Donc comme je vous ai déjà dit, ne démontez pas tout entièrement à droite à gauche, ça sert à strictement à rien. Suivez le livre. Le livre ou les feuilles, hein, peu importe. C'est fait en MDF. Hein, donc c'est ça qui est bien. Donc le papier à poncer, c'est tout ce que vous aurez en petite écharde. Donc vous n'allez pas avoir grand chose, hein, mais vous en aurez quand même à poncer de temps en temps quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une écharde qui se coince dans un engrenage, parce qu'après ça ne va pas suivre son cycle. Donc c'est à vous de faire attention à bien poncer. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous reprends dès que j'ai commencé. À tout à l'heure. Alors, premier montage. Donc comme je vous disais, vous faites attention à toutes les bavures. Donc, c'est pas le même bois que le rocre, hein. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est la partie où vous pourrez l'accrocher contre le mur en fait. Là. Vous voyez ? Ça qui est pas mal. Donc la première étape est faite. Donc comme je vous ai dit, hein, je ferai étape par étape. Donc on est juste sur la première feuille. Donc voilà. Donc je vous prends à la suite. A plus tard. Donc une bonne première partie. Je vais vous remonter un peu par contre. Voilà. Donc une bonne première partie déjà. C'est pas mal. Il y a plein d'étapes. De toute façon, il y en a 70. Donc hein, ça va être un peu long, je vous le garantis. Donc voilà. Donc je continue. Pas de colle toujours. Toujours assemblage main. De toute façon, c'est pas un liquide la colle. Donc je vous reprends plus tard. Alors j'avance un peu. Donc je suis un peu embêté au niveau des ficelles. Parce que franchement, c'est pas super bien expliqué, excusez-moi, par rapport au chien. Hein. Donc voilà, ça avance hein, petit à petit. Jeu de patience. Donc ça, ils sont coincés exprès, hein, parce que normalement, toute cette partie-là tourne, hein, vous voyez. N'oubliez pas de mettre de la glace au niveau d'écran, comme je vous ai demandé. Ou comme ils vous expliquent aussi au passage, c'est pas moi qui vous demande, c'est eux. Et n'oubliez pas de poncer au maximum des écharpes qui sont à droite à gauche. Donc là, je suis sur la deuxième étape. Donc ça va être la construction du bras, je pense. Je suis à la page numéro 18. Il y a encore du chemin, hein. Il y a 100. Je ne vous ai pas dit. Je ne sais plus combien. Non, il y a 79 pages. J'ai encore de la marge. Donc là, je commence à faire l'engrenage. Là, il y a la petite marque qui est en bas avec la ficelle. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Voilà. Donc je continue. Hein, puis, comme je vous dis, je vous montre étape par étape. À plus tard. Donc j'ai avancé sur la partie, donc là ça va être l'heure et les secondes. Hein. Donc tout ça tourne, hein. J'ai pas envie de tout dérégler parce qu'il faut que ça soit bien dans l'axe. Bon les secondes c'est pas trop grave encore, tout ça tourne. Hein. Bon ça je vais le faire quand même. Hein, vous voyez, et tout qui va tourner en même temps. Donc là il y a l'écran. Hein. Hop, les secondes pareil, ça tourne, tout ça tourne. Hein. Tant que vous mettez de la graisse tout tourne bien, hein. Donc ça va. Vous voyez, même les minutes, elles tournent aussi, tout tourne. Si vous voyez bien, tout qui tourne. Je force pas, hein, c'est du bois, hein, c'est fragile. Mais sinon, tout tourne bien. Là. Donc voilà. Donc je continue, je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et Émilie, t'as vu, j'ai mis mes pare-brises. À plus tard, elle va se reconnaître. Alors là, on a fait plusieurs assemblages avec l'écran, vous avez vu. S'il y a du blanc, c'est comme je vous ai dit, c'est de la bougie. Pour que ça soit bien réparti partout. Il y en a un peu partout, hein, sur les petits pignons, sur les petits axes, j'en ai mis partout. Bien oublié de ne pas poncer surtout. Là c'est pareil, tout est fait, tout
C'est plein de graisse. Donc, vous avez vu, c'est que les petits assemblages, accent ferraille, rondelles en bois. Tout ça, ça va fonctionner. Donc, je vais continuer. Là, je suis à la page 26. Oui, j'avance de 18 à 26. Oui, c'est parce que c'est tellement de petites pièces et puis il faut se référer à toutes les plaquettes. Comme je vous ai dit, il y en a quand même 9. Donc, c'est à vous. Et puis, il y a des fois, hein, ça te défonce bien les doigts. C'était ma fameuse pige, hein, pour pousser justement tous les bouts de bois. Bah, ça a réussi à péter en deux quand même. Hein. Donc, j'espère que j'en aurai pas besoin pour l'aiguille. Sinon, je vais être obligé de la recoller à la colle à bois. Donc, je la jette pas, je la mets de côté. C'est à mon avis, je vais en avoir besoin. Donc, je continue. Donc, là, je suis à la page 26 et puis je continue les grandes parties. La fameuse partie avec les ficelles. Ça. Donc, il me demande d'installer le D5 sur la partie, sur la grosse partie, quoi. D5, c'est cette petite pièce là. Avec la A. Ça, c'est la A, c'est le démarrage. C'est que je vous ai fait voir au démarrage. Donc voilà. Donc je reprends un petit peu plus tard, j'avance et puis je vous reprends un peu plus tard. Alors, donc là, j'ai bien avancé, mais bon, il reste encore pas mal de boulot, je vous rassure. Donc voilà, un bon assemblage déjà, une bonne partie. Et ça tourne, mais je peux pas trop tout dérégler en fait. Hein, vous voyez, tout tourne. À part toutes ces parties-là, parce qu'il y a un cran de blocage, donc tout ce qui est heure et minute, ça je suis obligé d'attendre avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je continue. Donc là je suis sur la page 28. Oui, j'ai pas avancé de 26 à 28, parce que là il y avait beaucoup d'assemblage de tous les axes et tout, comme je vous disais tout à l'heure. Regardez bien, emboîtez bien l'écran, que tous les axes soient bien en face, et surtout n'oubliez pas la graisse. Je vous le redis plusieurs fois, mais c'est normal. Donc voilà, donc je continue. Donc là j'ai fait l'avant. Ça, c'est 29, c'est fait. Donc, ce sera assemblage D2, D1, D3 et le C, le dernier avec les heures et tout. Donc là, je vais sur la page 30. J'ai avancé là. Donc, je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, bonjour, messieurs, dames. Donc, je fais la suite encore toujours pareil sur le modélisme, hein, bien sûr, de l'horloge. Alors là, on avance. Et on va arriver sur les parties, vous voyez voir là, l'espèce de contrepoids, je crois. Et c'est partout, c'est tout tourne. Hein. Ah, puis à l'intérieur aussi. Bon, je ne vous fais pas voir le mécanisme à l'intérieur, mais bon. Il y a tout qui tourne. D'accord. On commence à voir les décos en bois. Alors pour ceux que ça intéresse, il y en a qui les teint. La teinture. Soit vous les peignez, soit vous les teintez, c'est vous qui voyez. C'est à vous de voir. Donc voilà. Donc je continue, je suis sur la page 34. Je vais sur le numéro 35, bien sûr. Et puis je continue, je vous reprends plus tard, comme d'habitude. À tout à l'heure. Alors, bon, je l'ai enfin fini. Il est là, mais il faut que je fasse un réglage au niveau du poids. Et sinon, c'est un bon résultat. Il est très joli. Voilà. Il faut que je trouve le poids, en fait. Que ce soit celui-là et celui d'en haut. Il faut que je joue avec les deux pour pouvoir faire le balancier convenablement. Bon, ça, je chercherai. Et dès qu'il sera opérationnel, et puis là, comme c'est du bois, il va falloir qu'il attende pendant un peu l'humidité de la pièce ou autre. Donc c'est à moi de tricher et voir. Donc voilà, voilà le résultat, voilà le compte rendu de ce joli jouet. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour peut-être la même chose, quoi. Je sais pas, on verra.